Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Megan5 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 17 de Geometry Dash Sub-Zero. La dernière fois on avait terminé l'épisode parce qu'on était mort trois fois de suite au même endroit, donc on va prendre le niveau Nokem. Oui, je suis un bâtard parce que... Bon, ça commence bien. Je disais, du coup, oui, je suis un bâtard parce que... Ah, pourquoi je veux pas? Ah, c'est bon. Oui, je suis un bâtard, comme je le disais, parce que bref, je vous ai quitté en plein épisode. Mais c'était annoncé, si je mourrais au même endroit, la vidéo s'arrêtait. En même temps, ça profite au fait que je peux parler d'un sujet de discussion, parce que oui, j'en ai trouvé un. On va parler du jeu Among Us, qui a beaucoup explosé ces derniers temps. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, on va juste faire une ellipse. On reprend l'épisode. Ben oui, parce que j'ai dû faire une ellipse obligatoire également. Parce qu'on m'a dérangé en pleine vidéo, donc... du coup, on reprend, va falloir sauter assez rapidement. Ouais, c'est bon, on a pas réussi à mourir, c'est bien. Oui, je dis Among Us, le jeu qui a explosé ces derniers temps. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un jeu à rôle. Hein, cela se passe dans l'espace, et il y a deux possibilités de rôle, tout simplement. Vous êtes soit imposteur, donc vous devez massacrer l'équipage en faisant semblant de faire vos missions, en effectuant des sabotages et en tuant l'équipage, du coup, tout simplement. Et il y a tout simplement l'équipage qui doivent réaliser des quêtes pour réparer le vaisseau. Et si toutes les quêtes sont faites, et ben, ils gagnent. Le jeu a beaucoup explosé ces derniers temps et je pense qu'il y a de grandes chances que vous ayez pu jouer au jeu. Et donc, également, j'ai également pu y jouer. On fait des parties. On commence à faire plus de parties sur Discord, du coup, si vous voulez. Ça fait 4 fois de suite, putain! Du coup, je disais, on commence à faire quelques parties sur Discord. Et on s'amuse vraiment. Bon, sauf moi qui, quand je suis imposteur, je meurs assez rapidement, donc il se passe pas grand chose de mon côté. Hein. Bien sûr, j'essaierai de faire quelques vidéos sur Among Us si j'y arrive. Si j'avais enregistré, ce qui serait fort bien. Mais sinon, oui. Voilà. Among Us, vraiment, jeu vraiment très très sympa. D'ailleurs, on n'est pas mort, tant mieux, j'ai envie de dire. Je vous invite à l'essayer sur PC, il coûte 4 € et sur téléphone, il est gratuit. Donc, même si c'est pour tester une ou deux parties, je vous invite vraiment à essayer parce que le jeu est vraiment sympathique. Et si vous y jouez sur PC, il vaut son prix largement. Et lorsque vous commencez à faire des parties avec vos potes, vous allez en faire une autre, puis une autre, puis une autre, puis encore une autre, jusqu'à vous rendre compte que vous avez joué pendant 4 heures. C'était littéralement moi, samedi de la semaine dernière, où, au moment où vous voyez les vidéos, après le Lost de JPokepots qui était fait. Mais nique ta race! Et ben on est parti sur du Among Us et on a joué pendant 4 heures. Du coup, oui, Among Us, je conseille, voilà. Tout simplement. Hein. Pourtant, le jeu est sorti en 2018 et il explose qu'en 2020. Tant mieux, j'ai envie de dire. Hein. Le jeu est hyper sympa. Non! Et du coup, oui, vu que le jeu a pas mal explosé, bah, du coup, les développeurs du jeu ont annulé Among Us 2 pour se concentrer sur le 1 et apporter des mises à jour plus souvent. Donc Among Us 2 qui aurait été totalement inutile, je pense, si c'était juste le 1 avec des ajouts en plus. Ouais. Knock him out, allez, on va essayer d'arriver... Jusqu'à là, on était rendu tout à l'heure. Ça serait bien, en vrai. Mais non! Unlike no color, I like jumping. Yes, I know. On va voir, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a gagné.
plus exactement. C'est ici, je crois. Oui, allez, jumping, on est à 50% de faire 20 000 jumps. Également, voyons voir les statistiques de niveau. Hein. Là, on est rendu. Ah, ça, c'est pour press start. On a fait 132 essais. Et pour nos camouflages, on est à 346 essais. Ça fait. Ça commence bien. Ça fait beaucoup trop d'essais pour un même niveau. Donc, objectif avant la fin de la série, ça va être de sauter 10 000 fois de plus. Ce qui sera largement faisable, je pense, pour la fin du let's play. Sachant qu'on est déjà rendu à 10 000, rien qu'en faisant un niveau et demi. Donc, le dernier niveau qui est plus hardcore normalement, plus la fin de celui-ci, devrait faire en sorte qu'on atteigne les 20 000 jumps. Et comme ça, on aura fait ce petit défi en plus. Alors, pourquoi il ne veut pas sauter? Je saute là. J'appuie sur mon écran. Bon, j'appuie pas forcément au bon moment là, mais j'ai appuyé. Heureusement que j'ai dit il y a 2 épisodes que j'allais jouer de mon côté, full enregistrer, etc. Parce que j'en ai marre de ce niveau. J'ai plus envie de le faire. Tout en vidéo en fait d'ailleurs, parce que j'ai rien à dire et donc c'est chiant. Et pour vous et pour moi, je pense. Même si je sais que mon abonné numéro 1, celle qui m'adore le plus, hein, elle se reconnaîtra. Veut toujours la suite du let's play à chaque fois, donc au moins je me dis ouais, au moins quelqu'un qui aime ce que je fais, même si je n'avance pas trop. Sinon, parce que sous les commentaires, je n'ai aucun retour pour le moment, donc je n'ai pas forcément une idée de ce si ça vous plaît ou pas. J'ai failli mourir. Du coup, ma petite dédicace à mon abonné numéro 1. Je n'ai pas envie de continuer. Est-ce qu'on va quitter l'épisode? Il y a de fortes chances. Bref, on va essayer d'aller jusqu'à 10 minutes d'épisode parce que vous méritez pas d'avoir 3 épisodes à la suite qui font moins de 10 minutes. Allez, plus qu'une minute trente à résister. Sinon, est-ce que vous, ça va? Moi, ça va pour le moment. Même si. Oh, il y a des petits trucs qui me font un petit peu chier. Ah oui, donc, vu que ces 2 épisodes sont les derniers que j'enregistre à la suite, l'épisode 18, si j'ai le temps, et vu que j'enregistrerai full à chaque fois, il n'y aura pas la musique du niveau, même si... Même si on aurait aimé l'écouter, la musique, franchement, je l'aime pas. Elle est chiante. Donc, si vous voulez l'écouter, elle est sûrement disponible sur YouTube. Vous avez juste à marquer Geometry Dash Sub-Zero Nokem. Ou Nokem Geometry Dash Sub-Zero ou un truc du genre. Donc, vous retrouverez la musique et probablement quelqu'un qui fait le niveau one shot. Parce qu'il a plus de talent que moi. Donc, à la place, je mettrai. Une petite musique Pokémon, je pense, un petit remix sympa. Bon, j'en ai marre. On va s'arrêter là. On est à 63% du niveau, même pas un stack 2%. J'espère que cet épisode de Geometry Dash Sub-Zero vous aura plu. On se retrouve donc du coup, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 25 et je vous dis enjoy.